Il y a pas mal de choses que j'aime dans la vie, comme par exemple regarder des vidéos bizarres sur internet, marcher sur des avions et surtout passer des heures sur YouTube à écouter de la musique. Ça fait des années que je me perds dans les tréfonds de l'algorithme à la découverte de nouveaux horizons musicaux à explorer. Et je ne suis pas le seul. Il existe toute une communauté de passionnés qui cherchent des musiques que l'on pourrait qualifier de rares. Rares parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'un morceau est bien qu'il va marcher, être diffusé ou rencontrer son public. Malheureusement, le talent ne fait pas tout, et de nombreux musiciens ont pu créer des morceaux qui avaient tout pour devenir de gigantesques succès, mais non. Ils sont simplement tombés dans l'oubli le plus total. Le fait de ne pas suivre le cahier des charges très formaté de l'industrie musicale, une communication mauvaise ou inexistante, ou tout simplement de la malchance. Bref, il y a en réalité mille et une raisons pour qu'un morceau, aussi bon soit-il, tombe dans l'oubli. Eh bien, ces morceaux intéressent des gens, comme par exemple, les DJ qui vont vouloir balancer des petites pépites que les gens pourront simplement écouter sans pouvoir retrouver le morceau sur Shazam, les beatmakers en recherche de samples efficaces dont l'origine restera un mystère pour leurs auditeurs, et plus généralement des passionnés de musique qui souhaitent creuser une niche musicale ou plus simplement partir en quête de nouveaux horizons sonores à explorer. Il existe d'ailleurs tout un tas de chaînes YouTube qui se chargent de réuploader de vieux morceaux, à partir d'anciens vinyles, de cassettes audio ou même de CD. Et c'est généralement sur ce type de chaîne que ça se passe. Enfin, disons que c'est une bonne porte d'entrée. Dans l'immense majorité des cas, l'artiste est identifiable. Soit il y a son nom dans le titre ou la description, soit il apparaît sur les photos du vinyle ou de la cassette. Mais dans de très rares cas, il n'y a rien de tout ça. Et quand des internautes tombent sur un morceau comme ça, c'est généralement le début d'une belle enquête. Laissez-moi donc vous présenter l'histoire d'un morceau de post-punk New Wave que personne n'a jamais réussi à identifier, qui s'avère être un véritable banger oublié des années 80, et qui a suscité un engouement tel qu'on le surnomme désormais la chanson la plus mystérieuse d'Internet, Like the Wind. Ce qui est bien avec ce morceau, c'est que contrairement aux nombreux autres qu'il y aura dans cette vidéo, je n'aurai pas de souci de démonétisation vu que, personne n'a jamais revendiqué avoir fait ce morceau. Ça fait maintenant plusieurs décennies que des internautes cherchent qui peut bien être à l'origine de Like the Wind, mais rien. Honnêtement, j'adore ce morceau. Je me suis surpris un très grand nombre de fois à me le réécouter pendant l'écriture de cette vidéo, et elle reste dans ma tête. J'aime beaucoup le petit côté post-punk ou new wave anglais des années 80, qui ressemblerait presque à une fusion entre Joy Division et Depeche Mode. Et bon, on ne va pas faire traîner le suspense, vu que ça fait plus de 20 ans qu'elle a le titre incontesté de la chanson la plus mystérieuse d'Internet, on ne saura certainement jamais qui en sont les auteurs. Mais on sait quand même quelques petites choses à son sujet. Mais avant ça, je vais remettre un extrait avec une vidéo qui n'a rien à voir mais qui est bien dans le thème, pour que vous puissiez essayer de deviner dans quel pays ce morceau aurait pu être enregistré. C'est le 18 mars 2007 qu'a été diffusé pour la première fois ce mystérieux morceau, sur un site nommé spiritofradio.ca, qui est toujours en ligne et qui ressemblait à une communauté de fans d'une station de radio canadienne. Il a été publié pour la première fois par un utilisateur nommé Blue, qui dit l'avoir enregistré en 1984 via une station de radio allemande, et qu'il cherchait désespérément quel était le nom du groupe depuis plus de 15 ans. Le site étant très confidentiel, il n'y aura qu'un unique utilisateur qui lui répondra dans un premier temps. Cet utilisateur lui dira simplement que ça ressemble à ce que faisait un groupe grec nommé Metro Decay. Mais qu'au final, ça n'était certainement pas eux. Et puis, plus rien. Il faudra attendre 2019 pour qu'un utilisateur Reddit dénommé Gab Gaskins déterre une fois de plus le morceau.
Ça fait maintenant 13 ans que je cherche de mon côté et je n'ai obtenu aucune information fiable. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à enquêter dessus ? Rapidement, d'autres utilisateurs indiquaient être également en train de chercher des informations au sujet de cette musique depuis des années. Mais tous arrivent à la même conclusion. Personne ne sait quel groupe chante cette chanson, personne ne sait dans quel pays le groupe se trouve, et personne ne sait quand ça a été enregistré. Bon, sûrement dans les années 80 si on se fie à ce qu'on entend, mais ça n'est pas sûr à 100% non plus. Pour qu'il n'y ait même pas un début d'indice, c'est sûrement parce qu'il s'agissait d'un groupe indépendant qui aurait enregistré le morceau sur cassette, qui devait se vendre plus ou moins de main en main et dans une scène très locale. En écoutant la chanson, on a l'impression que le groupe est formé d'un chanteur, d'un batteur, d'un ou deux guitaristes, d'un bassiste et d'un joueur de clavier. Mais pareil que pour l'époque, ce ne sont que des suppositions. Et c'est la même chose pour le titre de la chanson Like the Wind. Le morceau a été appelé comme ça pour le désigner d'après les seules paroles qu'on comprend à peu près et qui semblent être le refrain. Une fois de plus, rien de sûr. Et même si Discogs est certainement la plus grosse base de données musicale, impossible de trouver quoi que ce soit. La seule piste que l'on ait, c'est Blue, la personne qui a posté pour la première fois ce morceau sur internet. Et bien évidemment, on peut toujours faire confiance aux utilisateurs Reddit pour obtenir des informations. Un petit groupe d'utilisateurs a retrouvé Blue sur d'autres forums allemands où il demandait également si quelqu'un avait des informations sur ce morceau. Et s'il n'a jamais reçu les informations qu'il attendait, son poste a permis aux enquêteurs numériques d'en apprendre un peu plus sur lui. Blue s'appellerait Anton et serait originaire de Brême, en Allemagne. Dans ses posts de 2007, Blue précise qu'il écoutait une radio locale nommée Brême 4, ainsi que les stations NDR1 et NDR2 qui avaient des plages horaires consacrées à des groupes amateurs. Les utilisateurs Reddit ont par la suite réussi à trouver le nom de l'animateur de ce créneau horaire, à savoir Paul Baskerville. Et on sait aussi qu'il est anglais et qu'il appréciait tout particulièrement la New Wave et le post-punk qui cartonnaient à l'époque en Angleterre ainsi qu'en Allemagne. Ce qui ne prouve rien du tout, mais il est donc fort probable que Blue ait enregistré ce morceau lors d'une de ses émissions. Les enquêteurs numériques ont donc décidé d'écrire à Paul sur Facebook. Mais comme son profil semblait abandonné depuis des années déjà, ils n'ont eux-mêmes pas trop d'espoir d'en apprendre un jour davantage. Et je trouve marrant de me dire que peut-être que dans un univers parallèle, Like the Wind est un classique dont tout le monde connaît le refrain par cœur, tandis que des internautes seraient en train de se demander qui a bien pu chanter Bohemian Rhapsody. Bref, le destin d'un morceau tient à peu de choses, et les probabilités pour qu'on puisse écouter cette musique aujourd'hui étaient très très faibles. Et pourtant, je vous garantis qu'elle restera dans votre tête, et c'est ça qui est beau avec Internet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Residents ? Au début, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous parler de ce groupe, parce qu'il y a un vrai consensus sur le fait que les Residents sont très certainement les musiciens ayant le mieux protégé leur anonymat. Mais bon, en creusant un peu, le mystère s'estompe assez rapidement. Dans tous les cas, après 50 ans de carrière et plus de 80 albums, les membres du groupe ont su intelligemment brouiller les pistes. Mais finalement, je me suis rappelé que je n'écoutais pas spécialement leur musique, et que je n'avais jamais vraiment trop su comment aborder leur discographie. Du coup, je n'avais pas envie de vous présenter quelque chose que je ne connais pas et que donc je ne peux pas apprécier. Je vais donc plutôt vous raconter l'histoire d'un artiste qui a sorti un vinyle à la fin des années 60, que j'aime énormément et dont on ne sait rien ou presque. On est à New York, en 1967, et Tom Wilson, le producteur des plus gros succès de Bob Dylan, Frank Zappa, des Velvet Underground ou encore de Simon & Garfunkel, a réussi à convaincre Verve Records de signer et financer son nouveau projet.
Et contrairement aux autres musiciens dont Wilson avait aidé à façonner les sons et qui allaient laisser une trace indélébile dans l'histoire de la musique, eh bien son nouveau poulain ne laissera quant à lui, littéralement, aucune trace derrière lui. Il s'appelle Harumi, il vient du Japon et il a une maquette d'album qui ne demande qu'à être produite. Harumi fait de la pop et du rock psychédélique et ça sonne bien. Ça sonne tellement bien que Tom Wilson chapeautera son unique album qui verra le jour en 1968. Et après ça, eh bien son projet devient un Graal pour les collectionneurs et les amateurs de rock psyché. Et voilà, c'est à peu près tout. Personne ne sait ce que faisait Harumi avant de rencontrer Tom Wilson, ni ce qu'il a fait après la sortie de son album. Il a totalement disparu. À bien écouter les paroles de ces chansons ou les pistes que l'on pouvait trouver sur la partie 2 de l'album, qui sont des sortes de dialogues sans aucun élément de contexte, on peut penser qu'Harumi vient bel et bien du Japon, et qu'il serait arrivé à New York à la fin des années 60. D'ailleurs, on n'est pas totalement certain qu'il s'appelle réellement Harumi, puisque dans le Japon des années 40, où il est probablement né, Harumi était un prénom exclusivement féminin. Ce qui laisse donc peut-être penser qu'Harumi était un nom de scène. On apprend aussi en écoutant les paroles qu'Harumi était à fond dans l'univers hippie psychédélique et qu'il devait prendre tout un tas de buvards de LSD. D'ailleurs, peut-être que sa consommation de LSD lui a fait perdre la tête et qu'il a terminé ses jours dans un hôpital. Ou alors, peut-être est-il retourné au Japon pour devenir un salaryman qui travaille 15 heures par jour. Personne n'en sait rien. Pourtant, beaucoup de personnes s'intéressent à cet artiste qui a livré un petit bijou de musique psychédélique et singulière. Alors, bien sûr, Harumi n'est pas parfait, mais il y a un certain charme qui se dégage de toutes ses imperfections. D'ailleurs, il est assez étonnant que Tom Wilson ait associé son nom à ce projet, parce qu'en termes de production, on voit que Wilson a vraiment laissé carte blanche à Harumi, et qu'il a certainement voulu capter la spontanéité du jeune japonais. Dans un des morceaux, on entend même Harumi oublier les paroles et reprendre comme si de rien n'était. Et puis il y a également des extraits de conversations qu'a pu avoir Harumi avec, vraisemblablement, des membres de sa famille. Des choses qui, a priori, n'étaient pas dans les habitudes du producteur. Je pense que Tom Wilson a dû se prendre de sympathie pour ce jeune qui venait de débarquer du Japon et lui laisser sa chance. En écoutant les musiques et les extraits de conversations, on apprend qu'Harumi était un original. Vraiment original et avec du talent, donc Wilson a très certainement pu croire en son potentiel. En tout cas, beaucoup de passionnés estiment que l'unique album d'Harumi a bien mérité sa réputation de classique oublié. D'ailleurs, on doit peut-être la survie de l'œuvre d'Harumi qu'au label Fall Out Records, qui a été le premier à represser le vinyle avant que toutes les copies de 68 n'aient totalement disparu. Aujourd'hui, les vinyles de 1968 sont de plus en plus difficiles à trouver et commencent parfois même à être hors de prix. Mais en ce qui me concerne, quand j'écoute son album, je me sens nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Et rien que pour ça, c'est toujours un plaisir de le laisser résonner chez moi. Et vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé des Residents. Eh bien les Residents ont samplé à deux reprises des morceaux de l'album d'Harumi. Je trouve ça très cool que le groupe le plus mystérieux du monde ait décidé de sampler à de nombreuses reprises un artiste qui était en réalité encore plus mystérieux qu'eux. Comme pour rendre hommage à cet anonyme ultime qu'était Harumi. Un homme, une guitare, quelques accords et puis une vague de mélancolie.
L'artiste prend quelques instants, laisse ses doigts traîner de manière instinctive sur les cordes de son instrument et puis il recommence. Une fois, deux fois, trois fois, des centaines de fois. Et chaque session d'enregistrement donne ensuite naissance à un album. Un album, deux albums, trois albums et puis 20 albums. Et rien d'autre. C'était en 1978, les oiseaux chantaient, le soleil brillait, et un nouvel album allait être lancé pour un public très spécifique par un groupe vraisemblablement nommé The Unit. À sa sortie, les mélomanes habitués des disquaires les plus pointus de l'époque écoutent le projet. Certains sont décontenancés par ce qu'ils viennent d'écouter, tandis que d'autres pensent avoir mis la main sur un projet artistique d'une pureté jamais égalée. Les plus curieux interrogeaient les patrons de boutique pour tenter d'obtenir des informations sur les membres de ce mystérieux groupe. Mais malheureusement pour eux, aucun vendeur, aucun passionné, même parmi ceux qui savent habituellement tout sur tout, tous confessent ne pas savoir qui a produit cet album, qui joue quel instrument et qui est le détenteur de cette si curieuse voix. À ce stade, il n'y a qu'une seule certitude, le groupe s'appelle The Unit. Et quelques mois plus tard, un nouvel album de The Unit atterrit de nouveau dans les bacs de ces mêmes disquaires. Mais il y a un problème. Ce nouvel album de The Unit ne ressemble en rien au précédent, comme s'il s'agissait d'artistes totalement différents. Et c'était le cas. Les auditeurs qui avaient été passionnés par le premier album scrutaient attentivement la pochette du nouveau vinyle de The Unit. Sur celui-ci, tout était très clair, il s'agissait d'un groupe de New Wave de San Francisco. Lors de leur premier concert, les mélomanes, toujours sous le charme étrange du premier album, décidèrent de poser directement la question aux membres du groupe. Pourquoi y a-t-il tant de différences entre le premier et le deuxième album? Et la réponse apportée par les membres de The Unit désarçonna le petit groupe de passionnés. On a sorti qu'un seul album, nous. Et à cette époque, il était impossible pour ces auditeurs de faire écouter sur leur smartphone le soi-disant premier album de The Unit aux membres du groupe. Mais cette remarque resta dans l'esprit des musiciens, qui finirent par mettre la main sur ce mystérieux projet et clairement, ils n'avaient rien à voir avec ça. L'avocat du groupe qui avait déposé le nom de The Unit pour des raisons de propriété intellectuelle était formel. Il ne peut y avoir qu'un seul et unique groupe du nom de The Unit. Le problème ? Eh bien, il fallait pouvoir rentrer en contact avec l'artiste ayant sorti le tout premier album sous ce nom. Et vous allez me dire, mais en quoi était-ce si problématique? Eh bien, parce qu'absolument personne ne savait qui se cachait derrière ce projet. Mais après avoir alerté les gens les plus influents de l'industrie musicale californienne, les membres de The Unit tombèrent finalement sur un nom, Ian Deck. Un nom et rien d'autre, ou presque. Il s'est d'ailleurs rapidement avéré que Ian Deck n'était pas un groupe, mais un projet musical créé par un seul homme, Sterling Smith. De 1978 à aujourd'hui, Sterling serait le créateur de certaines des musiques folk et blues lofi les plus inquiétantes et intéressantes jamais créées. We can't deny their spirits in this house. You shut the door. The wind closes to Très peu de choses sont connues sur Sterling Smith ou de Ian Deck, qui est, au fur et à mesure des années, devenu une sorte de légende urbaine de l'industrie musicale. Il est très difficile de mettre sa musique brute dans une case, mais assez rapidement, les critiques prirent le parti de le classer parmi les artistes de musique outsider. Malheureusement, il n'est pas facile de trouver des informations fiables sur ce personnage, tant les quelques éléments que l'on peut trouver à son sujet sont constamment drapés sous un épais voile de mystère. Mais tentons tout de même de retracer une chronologie de sa carrière, afin de mieux comprendre l'héritage qu'a pu laisser un des personnages les plus intéressants et les plus mystérieux de cette industrie. Sterling Smith est vraisemblablement né le 26 octobre 1945 et il est dit qu'il serait né à Providence, dans l'état de Rhode Island. Quant à savoir où Ian Deck a passé sa vie, et même où il se trouve actuellement, eh bien, c'est plus compliqué. De nombreuses couvertures d'albums montrent une variété de lieux différents, et ces albums contiennent des noms comme Glasgow Sunday, Dublin Friday, London Tuesday et Helsinki Saturday.
c'est-à-dire 4 villes et 4 pays différents, et chacune de ces covers d'albums montre des photos de ces lieux respectifs. D'ailleurs, beaucoup pensent que ces photos ont été prises par Yandex lui-même, et quand on creuse un peu, il est possible de lire des témoignages d'artistes très confidentiels d'un peu partout dans le monde l'ayant côtoyé. Yandex serait donc un homme qui voyage constamment, explorant le monde avec sa guitare dans le but de trouver l'inspiration. Ou peut-être simplement pour vivre pleinement sa vie et découvrir les merveilles que le monde a à lui offrir. Sachant ça, il est plus vraiment pertinent de savoir d'où vient réellement Yandex. Yandex vient de partout et de nulle part en même temps. Dans une de ses très rares interviews, Sterling a évoqué ses tentatives de devenir un auteur publié. Mais il déclara qu'après avoir vu ses 7 manuscrits refusés par des éditeurs new-yorkais, il décida de brûler l'ensemble des pages qu'il avait pourtant mis des années à écrire. Peut-être que s'il avait été publié, nous n'aurions jamais pu nous perdre dans l'œuvre musicale étrange et tentaculaire de Yandex, qui fut d'ailleurs une source d'inspiration revendiquée par des musiciens de légende comme Sonic Youth, Bright Eyes, Kurt Cobain, Pearl Jam et bien d'autres. C'est donc en 1978, d'abord sous le nom de The Unit, puis de Yandex, pour des raisons légales, que sortait son premier album intitulé Ready for the House. L'album présente une illustration assez simpliste, mais quelque peu mélancolique. En observant l'arrière de la pochette du vinyle, il est possible de lire le nom d'une société de distribution, Corwood Industries. À bien écouter ce premier album, on comprend pourquoi ce projet a pu surprendre les amateurs de musique folk de l'époque. Ce n'est pas nécessairement un point négatif si on prend son œuvre musicale dans sa globalité, mais il n'y a a priori aucune cohérence entre les morceaux de l'album. Tout y est déstructuré, peu d'harmonie et des paroles qui semblent ne faire aucun sens. Bref, une direction artistique des plus déroutantes. Le premier morceau, Naked in the Afternoon, illustre d'ailleurs à la perfection le processus créatif peu orthodoxe de Yandex, une rythmique curieuse à la guitare et des paroles qui s'apparentent davantage à des juxtapositions de phrases sans réel lien les unes avec les autres. Le tout scandé par une voix qui semble tout aussi fragile qu'inquiétante. Big time in the city. Big time in the city, big time in the city, big time in the city. I got a letter I read in the paper. Alors oui, la musique de Yandex est clivante. Je ne nierai pas le fait qu'elle puisse être considérée comme étant inaccessible, parce que je comprends tout à fait quand quelqu'un me dit que c'est juste de l'aléatoire pur et que n'importe qui pourrait le faire. Je ne suis pas foncièrement d'accord avec ça, mais je conçois sans mal qu'on puisse le penser. C'est d'ailleurs ce qu'on peut entendre assez régulièrement lorsque l'on est confronté à des musiciens qui semblent mettre un point d'honneur à bannir toute harmonie de leur production. Quand la qualité technique est vraisemblablement totalement absente, on a souvent tendance à intellectualiser l'œuvre que l'on contemple. Mais Yandex est indéniablement un artiste, et une œuvre artistique n'est pas supposée être en tout point belle, ni même être en phase avec des normes préétablies ou un cahier des charges harmonique. Mais si Yandex en lui-même ainsi que sa musique sont sujets à de nombreuses interrogations, il en va de même pour les structures qui lui permettent de sortir sa musique. J'ai évoqué tout à l'heure Corwood Industries, qui semble être une structure centrale dans la création et la diffusion des albums de Yandex, mais... Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise de distribution, d'un label, ou alors de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'industrie musicale? Eh bien, ce n'est pas clair du tout, mais il y a de grandes chances pour que ce soit un mélange de tout ça. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Lorsque des gens étaient intéressés par sa musique, ils pouvaient lui écrire à l'adresse de Corwood Industries, qui figurait à l'arrière de la cover du vinyle. Et pendant près de 50 ans, Yandex répondra à ses fans et entretiendra avec eux des correspondances épistolaires qui se sont étalées parfois même sur des décennies entières. Mais Yandex ne répondait pas qu'à ses fans, il prenait également le temps de répondre aux courriers envoyés par les personnes qui se montraient très sceptiques vis-à-vis de sa musique. Ce fut d'ailleurs le cas d'Irvin Chassid, un journaliste musical américain qui a beaucoup écrit sur la musique outsider, et dont la mission autoproclamée était de, je cite, « trouver des choses sur le tas de ferraille de l'histoire dont je sais qu'elles n'ont rien à faire ici et de les sauver ».
Ce dernier avait d'ailleurs écrit un article intitulé Yandek, le grand déconnecté, où il a décrit ses expériences avec la musique de Sterling et son expérience avec l'homme lui-même. Comme beaucoup de critiques musicaux, Chucid n'a pas nécessairement dit que des choses très agréables sur la musique de Yandek. Il a notamment pu écrire à son sujet « Imaginez un microphone souterrain relié à un cercueil fraîchement enterré, capturant le son des vers grignotant un corps en décomposition et les hurlements désespérés d'une âme partie, cherchant à échapper à la décomposition tortueuse et à l'ennui éternel. » Après une telle critique, bien des artistes n'auraient plus jamais voulu entendre parler de Chucid, mais ce ne fut pas le cas de Yandek, bien au contraire. En 1980, après avoir reçu un disque de Yandek de la part d'un ami, Erwin a écrit à Corwood Industries, dans le but d'obtenir une réponse sur ce qu'il venait d'écouter. Dans la lettre, il a décrit sa musique comme horriblement grotesque, tout en admettant qu'il pourrait tout de même s'agir d'un des plus grands albums jamais réalisés, mais que ça lui était totalement passé au-dessus de la tête. Il a alors laissé son numéro de téléphone en bas de la lettre et a reçu, quelques jours plus tard, un étrange appel de Yandek lui-même. Ce premier échange téléphonique donnera naissance à une amitié de plus de 20 ans entre les deux hommes, Yandek lui envoyant régulièrement ses nouveaux albums tout en autorisant l'écrivain à publier certains de leurs échanges. Et à lire certaines de ses lettres, il y a un certain nombre de choses qui sautent aux yeux. Yandek est un homme libre, tant physiquement qu'au niveau de son esprit. Obsédé par l'idée de créer sans se mettre de barrières et en ne prêtant aucune attention aux critiques formulées vis-à-vis de sa musique, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Yandek a créé comme il créera jusqu'à sa mort, comme il en a envie. Mais d'après Chucid, c'est la personnalité de Yandek qui gagnerait à être connue, bien plus que sa musique. Chucid décrira, à de nombreuses reprises, Sterling comme étant tout simplement l'homme le plus gentil et vertueux qu'il a pu croiser dans sa vie. Et bien qu'adulé par certains artistes majeurs, Yandek n'a jamais voulu tirer profit de sa notoriété pour tenter de vendre davantage d'albums. Au contraire, Yandek a toujours expliqué vouloir rester le plus longtemps possible anonyme pour le grand public, afin que ses relations avec les autres ne soient pas biaisées. Ce que Yandek a toujours aimé, c'est composer, voyager, se promener autour du monde sans être embêté par qui que ce soit. La musique de Yandek, à l'image de la liberté avec laquelle il a toujours vécu sa vie, est brute, non filtrée, sans aucune concession et n'a pas à être polissée. Et alors oui, la musique de Yandek n'est pas pour tout le monde, tout simplement parce qu'elle n'est faite pour personne d'autre que pour lui-même. Yandek n'a jamais voulu imposer sa musique à qui que ce soit, car d'après lui, cela forcerait votre liberté, ce qu'il souhaite éviter à tout prix. Et comme le disait le critique musical Erwin Chucid, après quelques décennies d'amitié avec l'artiste, peu importe comment vous percevez son travail, Yandek sera toujours Yandek. De ce que l'on sait, Sterling est toujours vivant et semble continuer à se promener autour de la planète, sans itinéraire précis, sortant de temps à autre des projets musicaux désarçonnants. Donc ouvrez l'œil, car il n'est pas impossible qu'un jour, vous croisiez un vieux monsieur, au regard perçant, assis sur un banc, allongé dans un parc ou posé à la terrasse d'un café, un carnet de notes à la main. Quelqu'un qui ressemble a priori à tout le monde, mais qui a pourtant vécu sa vie comme personne d'autre. Ça fait longtemps que je voulais vous parler de cet artiste, mais je crois que j'attendais le bon moment, et je pense qu'il a toute sa place dans cet épisode. Viper est très certainement le boss final de la bizarrerie musicale. Compositeur, interprète, réalisateur de ses clips, délinquant notoire et à la fois légende de la musique et d'internet, Viper est un personnage complexe. En lisant des critiques musicaux parler de lui, on retrouve des expressions comme « légende du rap de Houston »,« musicien expérimental » et puis tout un tas de superlatifs pour décrire à la fois l'homme ainsi que son œuvre. D'ailleurs, je ne parlerai ici que de l'artiste et pas de l'homme qui se cache derrière.
Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations fiables à son sujet, et que Viper semble être un gigantesque troll dont les déclarations sont toujours drapées d'un voile de second degré, qui fait qu'on ne sait pas vraiment si ce qu'il raconte est vrai ou faux. Bref, vous allez vite le comprendre, Viper aime s'affranchir des règles. Lee Arthur Carter serait né le 7 octobre 1971 en Arkansas, mais assez rapidement, sa famille a déménagé à Houston, au Texas. Très jeune, il apprend à jouer du piano et officie même comme enfant de chœur auprès de la paroisse locale. Vers 9 ans, il commence le rap sous le nom de Lee Dog et passe sa jeunesse à traîner dans les rues de Houston. Et assez rapidement, Lee va se mettre à vendre tout un tas de stupéfiants dans les rues de Houston. Et dans les quartiers pauvres de Houston des années 90, tout le monde écoute DJ Screw. Alors, je pourrais vous parler de DJ Screw pendant des heures, mais retenez simplement que c'est lui qui a popularisé, à grande échelle, le Chop and Screwed, qui, pour faire simple, consiste à ralentir le tempo entre 60 et 70 BPM tout en modifiant une partie du morceau initial, en découpant des passages afin de créer un effet où les mots et les sons sont répétés dans la musique en gardant toujours le même tempo. Bon, c'est peut-être un peu abstrait à expliquer comme ça, donc mieux vaut que je vous mette un exemple. Ce nouveau sous-genre du rap devient la fierté de la ville de Houston, et voir un style musical presque expérimental devenir mainstream va pousser le jeune Lee Carter à s'affranchir de tous les diktats musicaux afin de pouvoir créer sans contrainte. Et quelques temps après la sortie de son premier album en 2003, Lee Carter va se débarrasser de Lee Dog et se transformer en Viper the Rapper. Pendant tout le début des années 2000, Viper va se montrer extrêmement prolifique, en inondant les plateformes payantes et gratuites de streaming musical de nombreuses mixtapes. D'ailleurs, à voir les dates auxquelles Viper a posté ses premiers morceaux sur les plateformes d'écoute en ligne, est-ce que ça ne ferait pas de lui le tout premier SoundCloud rappeur de l'histoire? La question est posée. Il faudra cependant attendre 2013, qu'un utilisateur de YouTube poste sur la plateforme un de ses morceaux de 2008, pour que Viper obtienne enfin toute la reconnaissance qu'il méritait. Le nom du morceau en question ? You'll Coward Don't Even Smoke Crack, qui pourrait se traduire par « Bande de lâches, vous n'avez pas les coups de fumer du crack ». What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. What's up with that? Y'all cowards don't even smoke crack. À partir de ce moment-là, les internautes vont découvrir, médusés, l'univers de ce musicien atypique. De ses musiques bizarres à ses clips totalement psychédéliques en passant par les pochettes totalement dingues de ses projets, le monde entier vient de faire connaissance avec le rappeur le plus étrange d'internet. Et vous trouviez que le nom du morceau qui l'a rendu célèbre était bizarre et totalement incompatible avec le fait de pouvoir passer en radio ? Eh bien, celui-là est vraiment très soft comparé à d'autres titres de ses morceaux. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous les lister dans cette vidéo parce qu'il y a systématiquement des termes interdits par la plateforme. Comme je vous le disais, Viper est un gigantesque troll pour qui la liberté doit être absolue, que ce soit celle de s'exprimer librement ou de créer. Et comme pour toutes les bonnes choses, Viper va abuser de cette liberté. Je vous ai dit tout à l'heure que Viper s'était montré prolifique au début des années 2000 en sortant beaucoup de mixtapes. Eh bien, sachez que ce n'est pas principalement pour son originalité et les titres étranges de ses morceaux que Viper est connu. Viper a sorti plus de 1500 albums. 1500 albums comprenant environ 15 morceaux chacun. Donc Viper a sorti à ce jour environ 22 500 morceaux, tous différents les uns des autres. Et je pense que maintenant, vous commencez à comprendre quel type d'artiste est Viper. Simplement à titre de comparaison, et si on enlève les musiciens expérimentaux, bruitistes ou de noise, des légendes comme Fela Kuti, Buckethead ou encore Johnny Cash sont habituellement considérés comme les musiciens les plus prolifiques de l'histoire. Mais 1500 albums, ça pose des questions, non ?
Est-ce qu'un artiste qui sort 347 albums en 2014 et 262 albums en 2015, au point même de rentrer dans le Guinness Book des records comme étant l'être humain qui a sorti le plus d'albums en une année, peut-il vraiment faire de la bonne musique? Est-ce qu'on serait pas sur quelqu'un qui privilégie la quantité à la qualité? Eh bien, totalement. D'ailleurs, vous avez des playlists YouTube qui parlent d'elles-mêmes et que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Bon morceau de Viper, sans aucune ironie. Le processus de création de Viper est vraiment très instinctif. Quand on enregistre 20 chansons par jour, de toute manière, ça veut dire qu'il doit passer au maximum 30 minutes pour faire l'instrumental et rapper par-dessus pendant qu'il filme son clip sur un fond vert. Et basta, il passe à un autre morceau. Viper a déclaré qu'il avait un petit home studio composé de FL Studio, d'un Triton Korg et d'un Yamaha Motif. Du coup, quand on voit son installation, on comprend facilement d'où vient le côté lo-fi de sa musique. Et pour l'écriture des textes, il a déjà déclaré que ça n'avait jamais été un problème pour lui, et que rien que lors de son dernier passage en prison, il en avait écrit près de 500. Au niveau de la musicalité globale de ses morceaux, on retrouve l'influence de la musique de DJ Screw, avec des tempos ralentis, des effets de reverb sur les voix, et parfois même l'utilisation de nappes inquiétantes. D'ailleurs, je trouve que certains instrumentaux de Viper sont vraiment excellents, comme celui-ci. Il y a ces clips. Je vous en ai pas encore parlé, mais bon, je pense que vous avez constaté par vous-même la déglingue totale du personnage. Tout y passe, littéralement tout et n'importe quoi se juxtapose sur son fond vert. Et d'ailleurs, beaucoup pensent que Viper aurait influencé de nombreux artistes comme Yanglin, Blady et tous leurs héritiers dans leur utilisation de l'esthétique internetcore omniprésente depuis le début des années 2000 chez Viper. D'ailleurs, la personnalité atypique de Viper l'a conduit à se ranger lui-même dans les rangs de la musique outsider. Et sur près de 22 500 morceaux qu'il a pu sortir, il n'y en a au final qu'une petite poignée que je trouve intéressant. Mais si la carrière de Viper soulève beaucoup d'interrogations, elle a au moins le mérite de répondre à la question de savoir s'il était possible de créer, au moins par pur accident, de bons morceaux. Et pour moi, la réponse est oui. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné l'envie d'aller découvrir les discographies de ces artistes. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscurial.